Tansé, kwe, tansi, ulakut, greetings, bonjour. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des vétérans autochtones, nous rendons hommage aux importantes contributions et aux sacrifices consentis par les Premières Nations, les Inuits et les Métis au service du Canada. Votre histoire est remarquable. Vous avez rejoint les forces armées à l'âge de 19 ans et avez débarqué sur la plage de Juneau le jour J pour défendre notre pays et ses valeurs. Vous avez poursuivi votre combat à votre retour en défendant vos camarades autochtones qui en étaient injustement exclus des aides gouvernementales accordées aux anciens combattants non autochtones. Grâce à votre travail, notre pays est désormais plus juste pour tous. Nous savons que les membres autochtones des forces armées canadiennes qui ont combattu pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale n'ont pas reçu la reconnaissance et la gratitude qu'ils méritaient lorsqu'ils sont rentrés chez eux, et c'était une erreur. 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous pensons aux plus de 3000 membres des Premières Nations et au nombre inconnu d'hommes et de femmes inuits et métis qui ont servi à vos côtés pendant ce conflit. Vous avez tout fait à preuve de braveur, de dévouement et de sacrifice qui ont contribué à faire tourner le vent en faveur de la victoire. Nous vous sommes éternellement reconnaissants pour votre service. Vous avez servi avec honneur, dignité et fierté. Hi, hi. Miigwech, Nakamik, merci beaucoup.